J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rivière. Je vous ai fait une autre vidéo sur les 7 premiers jours. Je vous mets la vidéo juste ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et là, c'est la suite. Je me suis lancée donc un deuxième défi. C'est faire 21 jours. Je vous montre tout ça et je vous récupère en voix off régulièrement. Vous inquiétez pas, je suis là. Ah ouais, on est bien en fait. Finalement. Je mets juste à mes mains. Huitième jour en fait, ça va. Du coup, sans mettre les bras, c'est ça facile. Va. Franchement, je pourrais rester un petit moment. Mais ouais, c'est ça, faut être. Huitième. On est bien à 5 degrés hein, dehors. Hein. Et dedans, on est à 11. À demain. Et là, c'est la brume du matin. La rivière, on va aller se baigner. Et il gelait partout. Donc bon, là, on est en train de se motiver psychologiquement à y aller. Allez, 9e jour, courage. Mais sortez, ils viennent tous de faire... On est le 20 novembre et il fait 0 degrés. Dans la vie, comme dans mes vidéos, je suis une personne qui expérimente, qui ne cesse d'expérimenter. J'adore ça. J'aime voir où est-ce que mon corps peut aller. J'aime voir où est-ce que mon mental, mon esprit, mon âme peuvent aller. Alors voilà, le froid, la rivière, c'est une nouvelle épreuve. Mais est-ce vraiment une épreuve? Est-ce le bon mot? Qu'en penses-tu? Il y a des trucs qui font mal. Ah ben voilà ce qui me faisait mal hier. Hé, hey, pollueur. Attends, moi j'irai le mettre à ma poubelle. Qu'est-ce que ça fout dans une rivière ça? Wouhou. C'est froid. On est vivante. Allez, circule le temps, circule. Allez, hop. Je vais circuler tout ça. 9e jour. Fait. J'ai mal aux pieds. J'ai mal partout en fait, j'ai mal aux mains et aux pieds surtout. Aïe, 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 j'ai compris ça. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal. Bah, à demain, courage. Pour se donner un ordre de temporalité, le jour numéro 10, nous sommes le 21 novembre 2020. Aujourd'hui, je t'enregistre cette voix le 20 février 2021. Il y a eu donc 3 mois de passé. Sache que beaucoup de choses dans ma tête, dans mon esprit, ont évolué. Et tu vas le voir à travers cette vidéo et les prochaines. Et juste après, là, le passage fatal, une fois que tu t'es baigné, c'est ici, les petits cailloux. Là, ça fait trop mal quand tu marches dessus, avec les pieds froids, congelés. Et... du coup, c'est vraiment les pieds qui font le plus mal. Donc quand tu es sorti, t'as vite envie de remettre les pieds dans l'eau en fait. Avant, je marchais pieds nus le matin, mais là, je peux pas, là, ça fait trop mal. Donc voilà, on est reparti, 10e jour terminé. Wouhou! Car sache que j'en ai pas terminé avec la rivière, ni avec le froid, ni avec mes expériences. J'ai très envie de
vous développez tout ce qui s'est passé avec le froid, grâce au froid, grâce à moi. Alors j'espère que tu es prêt à découvrir toute mon expérience. On fait les malines, hein, mais c'est pas facile. Bon, du courage, on est courageux. Elle m'en a mis sur la tête. Aujourd'hui, les mains, c'est compliqué, les bras aussi. Ah. 11e jour. Ok. Je suis sûre que si tu m'écoutes, toi aussi tu es intéressé à vouloir développer de nouvelles capacités. Je suis sûre que tu es intéressé à être de plus en plus fort, de plus en plus adapté aux éléments extérieurs et être de plus en plus connecté à toi, à l'intérieur. Être plus proche de toi-même comme tu l'as jamais été en étant plus connecté aux éléments de la nature, car tu fais partie de la nature. Si tu m'écoutes, tu es vivant, autant que l'eau, la rivière, autant que le vent, que les arbres, que les vers de terre, que l'herbe, que les fourmis, que les abeilles, que les ronces, que le ciel, que les nuages. Tu es vivant. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Là, c'est plutôt un jour sans. J'ai oublié de faire ma tête là avec de l'eau là, pour pouvoir bien me réveiller derrière la nuque et les bras. Et du coup, ce matin, j'arrive pas à rester dedans, donc je suis restée très peu. Et là, ça me brûle les mains, les pieds. Et à l'intérieur, ça me brûlait même partout, le dos, le ventre. Enfin, c'est un peu dur ce matin, mais bon, c'est pas grave, hein, il faut l'accepter. Je suis quand même rentrée dedans, donc j'ai quand même réussi. Donc 12e jour accompli, mais dur. dur ce matin. Voilà, ben, on se rend pas compte en caméra, mais je suis assez rouge quand même. Par rapport au haut de mon corps. Bienvenue chez les ch'tis, j'ai l'impression que je vais perdre mes orteils. Pour être honnête, je dois vous dire que je n'ai pas encore assez expérimenté la respiration, mais c'est vraiment un élément hyper important, c'est primordial. 13e jour, elle est à 7 degrés. Aïe, j'ai mal. Quand tu te prends sur une pierre, ça fait trop mal. Hey, on est le 25 novembre, il fait 15 dehors et on est au 14e jour aujourd'hui et ça fait du bien. Ça fait du bien aujourd'hui là, les pieds ça fait pas mal. Elle est à 9 degrés. Le sourire n'est absolument pas superficiel, le smile, souriez. Le sourire est bon pour votre santé car il permet de réduire le cortisol qui est l'hormone du stress. À la place, votre cerveau va produire de la dopamine et c'est super bénéfique pour votre motivation, votre sensation de plaisir, de bien-être. Alors souriez, ça change l'expérience, comme Eco Smile. Ah si, ça fait trop du bien le soleil par contre. Ah oui, c'est le soir, ouais. On va profiter du soleil. Ah. Mais par contre, c'est vrai que ça fait chaud. C'est le direct de rouge. Même le chaud, quoi. Eh déjà, bravo déjà, ouais. Ah, c'est beaucoup plus facile l'après-midi que le matin, il n'y a pas photo. Ouais, parce que là il fait chaud dehors en même temps. Bah non, si on vient d'être dedans complètement. Mais non, pas la tête. On s'en fout, vous êtes niqués. Oui, c'est pas faux. Ok, alors maintenant je vais te donner un petit conseil. Évidemment, il va te falloir beaucoup de courage pour aller dans l'eau froide. Peu importe si c'est juste une douche, si c'est un bain dans la rivière ou si c'est un bain glacé, c'est quelque chose d'important, le courage.
mais ta détermination va être encore plus forte. Il va falloir que tu sois déterminé, que tu aies confiance. Parce que si tu y vas petit pas par petit pas, et que tu respectes tes limites et que tu respectes ton corps, ton mental et ton esprit, alors dans ce cas-là, tout va bien. Tout va bien se passer. Alors, sois déterminé quand tu rentres, sois dans l'accueil et respire, souris. Ça va bien se passer, tout va bien, c'est ok. Hello, on est le 27 novembre, alors c'est le 16e jour que je vais à la rivière. Ce matin, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, ce matin, je devais y aller à 8h avec ma sœur et puis je m'en suis pas réveillée. Du coup, il est 9h. Enfin, ma sœur est rentrée de la rivière, on a un petit peu papoté et puis... du coup là maintenant j'y vais, elle est repartie chez elle. Donc à mon tour d'y aller. Voilà, il y a le soleil derrière moi qui est agréable. Donc là ouais, dehors il fait beaucoup moins froid et donc c'est moins difficile d'être dehors en serviette, en maillot de bain. Non, ce qui est juste plus difficile, voilà, c'est les règles. C'est juste pour ça que ce matin j'avais envie de parler, c'était qu'on va voir comment ça se passe avec les règles. Si c'était une bonne idée, une mauvaise idée d'y aller, je sais pas. Mais je veux tester parce que, aussi vu que c'est la première fois que je veux le faire aussi longtemps la rivière, pendant l'hiver, voilà, c'est vraiment la première fois. Donc j'ai envie de tester mes limites et voir où est-ce qu'elles me mènent. Parce que pour savoir si c'est au-delà de ma limite, si je suis allée trop loin ou si au contraire j'étais capable et que vaut mieux que j'essaye pour savoir si j'en suis capable. De toute façon, on peut pas tester ses limites si on n'y va pas. Voilà, vous allez peut-être moins m'entendre parce que j'arrive à côté de la rivière, donc on a le petit bruit de l'eau qui est fort agréable le matin quand même. Et puis bah c'est parti, hein. On va y aller. Voilà un parfait exemple pour vous dire ce que je m'apprête à vous dire. Là, je vais tester mes limites. C'est une chose, mais je vais tester mes limites en m'écoutant. C'est-à-dire que là, je n'y vais pas pour lutter contre moi-même. Au contraire, je suis dans l'accueil de ce qui va se passer. Je veux pas me prouver à moi-même que j'en suis capable, non. Sinon, ce serait mon ego uniquement que je comble. Je veux juste tester mon corps pour voir si l'expérience me fait du bien ou me fait du mal, tout en me respectant. Toujours petit pas par petit pas. Si je ressens d'y aller entièrement, alors j'y vais. Si je mets uniquement mes pieds, alors c'est ok. Ce jour-là, j'y suis rentrée entièrement. Sans regret, car ça m'a fait du bien. Un bien fou. Je n'ai plus de douleur liée à mes règles pendant, puis après la rivière. Alors merci le froid. Merci mon corps. Je suis contente d'y être allée, même avec mes règles. 16e jour, ok. Plus que 5 jours pour arriver à 21, je suis trop contente. Mon premier était d'arriver à la semaine, 7 jours. Et mon deuxième était d'arriver à 21, voilà. Pourquoi 21? Parce que souvent les cycles de 21 peuvent reprogrammer un peu ton cerveau, peuvent t'amener à d'autres habitudes. Donc voilà, souvent les cycles des 3 semaines sont beaucoup évoqués et voilà, je voulais tester, voir qu'est-ce que ça me donnait 3 semaines. Bon, je vais rentrer sans ma serviette, ça va me faire du bien sans m'essuyer, sans rien, pour arriver à que mon corps se réchauffe correctement. Bon, là je suis en train de rentrer chez moi, du coup à pied, sur le chemin. J'ai mal à mon pouce gauche, comme plein de matins. Et quand je fais des mouvements comme ça, ça me fait comme des petites fourmis. Et puis ça s'arrête, c'est juste le coup quand je fais mes mains comme ça, comme je sais qu'hier ça me le faisait aussi. J'ai pas mal aux pieds en sortant de l'eau, comme habituellement, mais peut-être parce qu'il fait plus chaud dehors. Et j'ai mal à mon poignet, je peux plus le bouger depuis 2 jours. Donc, est-ce que c'est le froid qui fait comme un peu le jeûne, qui essaye de me détoxer et de après pour pouvoir remettre en place les choses. Je sais pas. Ou peut-être c'est juste parce que j'avais repris un peu la guitare et ça me refait mal au poignet, parce que je me positionne mal. On verra avec les jours si mon poignet ça va mieux. Entre l'argile, le froid, on verra. Mais mon pouce gauche me fait mal. Voilà, c'est celui qui me fait le plus mal. Sinon le reste du corps, j'ai chaud, ça fait du bien. Quand tu rentres de la rivière et que ton chéri il allume le feu, ça c'est un petit peu royal, ça c'est trop trop bien. Ah, je suis contente parce que maintenant je peux mettre les bras et les mains et ça me fait plus mal comme avant, donc c'est cool, ça fait, c'est trop trop cool.
pas du tout. Ah, mais ça coupe glacé, ça. Ah, je mange un pipi. Ah, par contre, le courant. Yes. Jour 18. 2 degrés dehors, 8 degrés dedans. Et les bras à fond dedans, jusque là. Trop cool. Allez, je vais rester 4 minutes ce matin. Ah, c'est bien. Parce que là, les deux autres, enfin les trois autres matins, j'ai vu que ça faisait 3 minutes. Oui, moi aussi. Du coup, là, hop. Allez, 4. Youhou ! Il fait 7 degrés dans l'eau et tout va bien et je suis super heureuse et vivante et ça fait trop du bien. Youhou ! On est 30 novembre, mais demain on est en décembre, on sera encore dans l'eau, c'est sûr. C'est trop bien. C'est trop bien d'être folle. Alors, 20e jour, j'ai juste une petite précaution et un petit conseil à vous donner, puisque vous allez très vite le voir, ma sœur s'est immergée la tête et elle en était très contente. Donc ma sœur s'était d'abord immergée le visage en avant parce qu'elle est partie en arrière, donc je vous conseille de ne pas forcément faire ce qu'elle a fait en premier, puisqu'il faut faire vraiment attention quand on n'est pas habitué, en fait le nerf qui est derrière la nuque, s'il est immergé directement, eh bien ça peut nous faire tourner la tête, faire perdre conscience, avoir un problème, voilà. Donc faites vraiment attention et allez-y plutôt doucement, mais pas en arrière, plutôt en avant ou tout droit, et bien immerger d'abord le visage avant d'émerger en arrière comme ma sœur le fait à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse avec les dernières images. Je dis, bah, elle est où? J'avais envie de le faire, et j'ai réussi. Ça fait froid la tête. J'ai pas envie de mettre mes cheveux mouillés. Oui, si j'avais il n'y a pas longtemps, c'est pas la moisie. Ah, oh, ça a fait du bien, par contre. Wouh, ça fait trop du bien. Ça fait entière en fait. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop génial. Comme si ah, il n'y a plus de différence et moi je suis mieux. D'accord. Ok, donc là on a l'impression que j'en ai rien à faire de ce que dit ma sœur, mais absolument pas, rassurez-vous, c'est juste que je suis détendue dans la rivière et que j'extériorise aussi de cette manière-là le fait de bâiller, c'est parce que je me sens bien et que les émotions parfois qui peuvent être bloquées à l'intérieur de moi se débloquent et le fait de bâiller m'aide énormément dans ce déblocage, si on peut dire ça comme ça, voilà. Bon, 20 jours, ok, 5 minutes, je me suis juste gamellée à la fin. Mais tout va bien, voilà. Il me reste plus qu'un jour pour faire les 3 semaines, je suis trop fière. Allez, allez, allez. Alors voilà, on termine ce deuxième défi des 21 jours. Alors je vous filme n'importe comment, je suis désolée pour ces images vraiment de mauvaise qualité. Il pleuvait et du coup j'ai pris un accessoire de ma caméra que je ne gère absolument pas, donc impossible de me filmer correctement, donc juste écoutez ma voix. Il se trouve que ce jour-là mon chéri est venu se baigner donc jusqu'au nombril. Lui c'était trop pour lui donc voilà, il a pas voulu y aller justement trop petit, enfin il a fait un trop grand pas pour lui, voilà, ne faisant pas de douche froide quotidienne ni régulièrement, donc c'était trop pour lui, donc c'est un bon exemple pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, donc là j'étais vraiment très fière, je suis restée 5 minutes à l'intérieur et franchement j'étais trop contente d'avoir réussi ces 3 semaines. Donc voilà, juste pour vous dire que c'était un chouette défi. Mais attention, le défi n'est pas terminé. Il va y avoir de prochaines vidéos, puisque je suis allée beaucoup plus loin
que juste les 3 semaines. Donc je vous en parle rapidement et je vous fais suivre une prochaine vidéo là-dessus. En attendant, j'ai envie de vous parler de gratitude. La nature, la rivière, n'y est pas pour rien. En fait, depuis que j'ai commencé ces bains, la gratitude s'est développée à vitesse grand V. Elle est présente en fait à chaque instant. Je suis quelqu'un qui m'émerveille d'un petit rien, mais là, je vous jure, c'est différent, ça a grandi, c'est exponentiel. J'ai beaucoup de gratitude pour moi-même. Je dis souvent « merci la vie », « merci le vivant », « merci mon corps ». Je dis souvent avec ma sœur « je suis vivante », « je me sens vivante ». Le fait que ma sœur ressente la même chose à la rivière me conforte dans l'idée que la rivière n'y est pas pour rien. En fait, ce sentiment se développe grâce à la rivière et à tout ce que cela implique. Le mental qu'il faut avoir pour y aller, le courage, la détermination qu'il faut avoir, le fait de le faire, d'y arriver, le fait de ressentir, d'accueillir ce froid, de ressentir ce stress court mais intense, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, de devoir gérer ce stress, de l'accueillir, de lui faire un gros câlin. De devoir respirer, de sourire, de revenir après la rivière pieds nus au contact de la terre. Parce que oui, après j'ai arrêté de remettre mes tongs, je repartais nu-pieds, puis pour me reconnecter à la terre, ça fait tellement de bien. Je me suis reconnectée à moi-même, cela faisait partie de mon introspection. Faire des bains de rivière n'est pas uniquement le moment que tu passes à te baigner. Il y a avant d'y aller, le pendant, l'après. Et le reste de ta journée, dis-toi que ces quelques minutes que tu prends chaque jour à réaliser cette loi de l'hormèse au froid aura bien plus d'impact que tu ne le penses avant que tu aies commencé l'expérience. Il faut le faire pour comprendre et vivre cela. Je n'avais aucune attente et aucune idée de comment ça allait se passer avant de commencer la première fois. Aujourd'hui, j'ai développé de la gratitude, de l'amour bien plus présente qu'avant, sans compter les effets logiques qui découle de cette expérience. Je suis de plus en plus résistante au froid. Au froid de l'air, mais au froid de l'eau également. Dans une situation de stress, je prends plus rapidement du recul et observe plus facilement la situation, ainsi que mes émotions. Alors le chemin est encore long, mais je vois l'évolution. Ce ne sont que des exemples que cette expérience m'apporte quotidiennement, mais rassurez-vous, je vais vous en dire encore plus dans les prochaines vidéos, puisque l'expérience, comme je vous disais, ne s'est pas terminée aux 21 jours. Et je vous jure, cette expérience est gravée en moi. Elle m'a permis une introspection, une remise en question sur moi-même et un bonheur, de l'amour, de la gratitude auquel j'avais jamais eu accès réellement jusqu'à aujourd'hui. Alors, je me remercie. Je remercie l'univers, je remercie mon âme. Je remercie l'eau, le vent, la terre, le soleil. En fait, j'ai envie de tout remercier. Alors, je termine par ce mot. Gratitude. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et à activer les cloches de notification. Si jamais tu n'es pas abonné, abonne-toi d'abord. Je te fais suivre les prochaines vidéos rapidement. La prochaine sera sur ma reprise alimentaire après mes 10 jours de jeûne. Je te mettrai dans le petit i cette expérience également inédite pour moi puisque c'est le plus long jeûne que j'ai réalisé. Et puis je t'embrasse et je t'envoie plein d'amour. Remercie la vie car elle est précieuse. Et sache que tu n'es pas immortel, tu es mortel, alors profite de chaque instant. Je t'aime très fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous les petits loups.